Bonjour, peuple congolais. Donc, je vais vous montrer comment Sassou tue le peuple au Congo-Brazzaville avec son eau de la mort. L'eau de la mort. Mes peuples congolais, vous devez ouvrir vos yeux. Laisserez-vous toujours 8% continuer à vous écraser? 8% vous a pris comme des cafards. 8% vous a tellement rendu plus bas que terre. Mais mes peuples congolais, soulèvement populaire, alerte, révolution, s'il vous plaît. Regardez comment Sassou vous tue avec l'eau, soi-disant l'eau potable qui coule dans les robinets. Hein? L'eau qui est toute noire, l'eau de la mort. Est-ce que Sassou boit cette eau? Hein? Donc ces ministres à la con qui viennent faire du bruit à Paris, hein? Qui vont dans des restaurants et qui se font passer pour des bienfaiteurs au Congo, mais qui sont des voleurs. Hein? Donc, peuple congolais, nous allons en découdre avec tous les cafards. Quand la République, elle est en danger, le peuple doit se lever. Donc, je veux vous montrer l'eau potable, sale du cafard. Sassou Nguesso de merde, Abe Mboshi de merde. Vous allez voir. Voilà. Donc, là, nous allons voir l'eau du Congo de Sassou, 8% le tueur. Oui. Regardez. Et nous repartons encore. Voilà. L'eau du robinet qui coule au Congo. Regardez, ça c'est l'eau qui sort du robinet. Vraiment. Donc, comment les gens vont vivre? Voilà. Nous repartons encore. L'eau potable du Congo Brazzaville de la mort. Donc voilà, 8% tue les Congolais. Voilà, du Congo Brazzaville avec son eau potable de la mort. Regardez, ça c'est l'eau qui sort du robinet. Vraiment, donc comment les gens vont vivre? Voilà, donc vous voyez, 8% refuse de donner de l'eau au peuple congolais. Pour 8%, ils se croient le dieu du Congo. Est-ce que nous allons continuer à observer 8%? Non! Plusieurs balles en pleine nuque, comme je vous ai dit, peuple congolais. 8% doit avoir plusieurs balles. Maintenant, je vais vous faire voir la belle eau, hein, qui coule en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe et aux États-Unis et ailleurs. Hein? Je vais vous faire voir. Là, nous sommes devant le robinet, vous allez voir. Voilà l'eau. L'eau de l'Europe. Vous voyez, elle est claire, l'eau. Alors, pourquoi 8% ne donne pas l'eau comme ça au peuple congolais? Pourquoi il ne le fait pas? Hein? Regardez comment l'eau elle est claire. Hein? Pourquoi 8% ne donne pas l'eau claire, potable, réelle au peuple congolais? Parce que 8% n'aime pas les Congolais. 8% il prend le peuple congolais pour des rats. 8% veut que les Congolais meurent. 8% il n'est pas venu pour le bien de la nation congolaise, mais il est venu pour se piffrer des poches. Voler l'argent qui lui appartient pas,
voler tous les biens du peuple congolais et se faire passer pour un bienfaiteur. 8% est vraiment le plan barbare. Vous voyez les Français comme général de Gaulle. 8% est comme ça. C'est un méchant, un mauvais. Donc 8%, il mérite d'avoir plusieurs balles en pleine nuque et plusieurs balles en pleine nuque, comme j'ai toujours dit. C'est le dire que le dit Georges Passy, le résistant des résistants, efficace, efficace, l'homme qui n'a pas peur. Donc, peuple congolais, écoutez-moi bien. 8%, il faut plusieurs balles en pleine nuque. Voilà le message que j'avais envie de dire. À part 8% qui refusent de donner l'eau claire au peuple congolais. Voilà. Incroyable. Donc, peuple congolais, vous êtes encore avec le tien. Comme je vous ai dit, 8%, il faut en découdre. Il faut en découdre. Il faut finir avec ce cafard. Il faut finir avec ce vampire. Venant d'ailleurs, 8% son père, c'est un Abbé Mboshi. Oui, de Oyo. Abbé Mboshi, dont les colons français ont pris les Abbé Mboshi en Côte d'Ivoire et ont amené au nord du Congo-Brazzaville. Parce que les Abbé Mboshi, qu'est-ce qu'ils avaient fait en Côte d'Ivoire? Ils avaient pris Robineau. Robineau, un colon. Ils l'ont tué et ils ont découpé Robineau en morceaux et ils se sont mis à préparer. Et quand leurs blancs colons, les chefs sont venus, ils les ont servis Robineau. Et ils mangeaient, ils étaient contents. Mais à la fin, ils ont vu qu'il y avait des doigts et des bagues. Ils ont reconnu une bague, c'était la bague Robineau. Ils ont su que les Abbé Mboshi les ont préparés Robineau, leur frère blanc. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la décision de prendre les Abbé Mboshi de la Côte d'Ivoire et de les placer au nord du Congo, à Oyo. Donc, nous allons chercher maintenant l'origine de chaque Mboshi d'Oyo. Et nous allons savoir ceux qui sont réellement des Congolais et ceux qui ne sont pas des Congolais devront être dégagés du Congo, de la terre de nos ancêtres. Voilà, le message est clair. Donc, à bas, 8%, plusieurs balles en pleine nuque. C'est le tien que le dit. Merci. À bye bye.